Bonjour à tous. Pour cette première séance de nos journées portes ouvertes en ligne, une situation évidemment totalement atypique, inhabituelle pour nous, qui sommes habitués à accueillir sur le site de l'École nationale supérieure de paysage un public habituellement nombreux qui vient visiter les lieux d'enseignement, que ce soit le potager du roi sur lequel nous nous trouvons en ce moment, ou le site de l'ENSP à Marseille. Donc la situation sanitaire que tout le monde connaît nous a conduit à transformer ce moment de convivialité et d'accueil et d'hospitalité sur nos sites d'enseignement de proposer d'autres formes, de manière à ce que quand même l'information sur les activités d'enseignement et en l'occurrence pour notre session de recherche qui sont menées à l'école puissent être partagées avec les éventuels étudiants, avec leurs familles, leurs amis peut-être, qui s'interrogent sur ce qui se fait à l'École nationale supérieure de paysage. Et donc nous inaugurons cette formule par un premier temps qui est consacré à la recherche et la création au sein de l'école. Comme tous les établissements d'enseignement supérieur, l'École nationale supérieure de paysage, qui a la vocation première de former les paysagistes, a aussi vocation à abriter des activités de recherche et d'enseignement en lien avec la recherche. Et c'est ce qu'on va vous présenter durant ce moment, en restant ensuite à votre disposition pour répondre à vos questions ou aux réactions que vous voudrez bien nous faire parvenir. Autour de moi, je me présente d'abord. Donc Patrick Moquet, je suis professeur à l'ENSP et le directeur délégué à la recherche et le responsable du laboratoire de recherche dont on va vous parler un petit peu plus tard. Et autour de moi, des collègues enseignants-chercheurs et des étudiants et doctorants, qui sont actuellement à l'école et qui pourront également vous présenter leurs activités, réagir ou répondre aux questions que vous êtes susceptible de vous poser. On peut peut-être faire un rapide tour de table, Eva. Eva Poupelin, élève au Master 2 de théorie et démarche du projet de paysage. Bonjour, moi c'est Marie-Laure Garnier, je suis paysagiste conceptrice et également doctorante au LAREP. Moi c'est Roberta Pistoni, architecte, et je viens de soutenir ma thèse ici à l'ENSP. Ici Petit Marguem, je suis professeur donc en poste au département de géographie et je copilote le master théorie et démarche du projet de paysage. Sophie Bonin, ingénieure agronome, géographe et maître de conférence, donc enseignante chercheuse. Au laboratoire et dans cette école. Voilà, merci à vous. On va d'abord vous présenter un panorama des activités qu'on a prévues en trois temps. On va commencer par présenter le laboratoire de recherche de l'école, laboratoire de recherche en projet de paysage. On vous parlera ensuite des parcours doctoraux avec des exemples de thèse, et puis on présentera pour finir le master théorie et démarche du projet de paysage qui est accueilli par l'école, mais bon, on vous en dira plus un petit peu plus tard. Je vais commencer en présentant le laboratoire de recherche. Il y a théoriquement... Alors, l'objet principal de travail, c'était le projet de paysage. Aujourd'hui, le laboratoire regroupe une quarantaine de chercheurs avec des statuts très divers.
une quinzaine d'enseignants-chercheurs statutaires, mais également accompagné d'autres enseignants qui ont d'autres statuts, mais qui participent à nos activités. Une douzaine de doctorants, le nombre varie un peu en fonction des années, et puis on a eu la chance, le trimestre qui vient de s'écouler, d'avoir quatre soutenances de thèse d'affilée. Et puis, un certain nombre d'autres personnes qui ne sont pas statutairement rattachées à l'établissement, mais qui participent aux activités du laboratoire, ce qu'on appelle des chercheurs associés, et puis aussi des doctorants qui s'intéressent au paysage et qui restent en relation avec nous. C'est un laboratoire de recherche dont la majorité des membres se situe dans le champ des sciences humaines et sociales, mais qui promeut une forte interdisciplinarité avec également des apports en matière d'écologie. Et puis, bien évidemment, une place pour des paysagistes praticiens qui peuvent contribuer également aux activités de recherche. Et comme ça se pratique maintenant dans le monde de la recherche, la plupart des travaux qui sont menés avec des partenariats à l'extérieur qui peuvent être extrêmement variés du côté de sciences dures, d'ailleurs, de sciences de l'ingénierie, comme du côté d'autres laboratoires qui travaillent dans le domaine des sciences humaines et sociales. Et puis, il y a un autre volet de partenariat qui concerne le laboratoire, c'est que l'École nationale supérieure de paysage accueille également des chaires partenariales, souvent des chaires d'entreprise, à l'image de la chaire énergie et paysage, ou encore de la chaire terre et paysage, qui permettent de financer un certain nombre de travaux ou d'activités, parfois aussi d'activités pédagogiques. Et donc, quand ces travaux ont une dimension de recherche, à ce moment-là, le laboratoire, bien sûr, est associé et porte ces coopérations. On a baptisé le laboratoire de recherche en projet de paysage, parce que ce projet de paysage est vraiment l'objet sur lequel portent nos travaux. Et on en a deux interprétations, disons, qui vont donner naissance aux deux axes de travail du laboratoire. Une première interprétation, c'est le projet de paysage comme œuvre des paysagistes. Et une deuxième s'intéressera plutôt à la dimension d'élaboration collective de projets, souvent à l'échelle de territoire et avec des acteurs assez différents. Alors, je vous présente le premier axe, et puis ma collègue Sophie Bonin reviendra sur le deuxième axe ensuite. Le premier axe, donc, porte sur les savoirs et pratiques du projet de paysage, et il s'intéresse de manière principale, centrale, à l'activité des paysagistes et aux productions de ces paysagistes, leur travail de conception. Il est lui-même, enfin, on a plusieurs thématiques qui sont déclinées à l'intérieur de cet axe. La première, comme je viens de le dire, c'est la pratique du projet de paysage, où on vise à analyser comment les paysagistes interviennent, sur la base de quelles références, avec quelles techniques ou quels outils. Bref, on décrypte leur pratique. Et dans les illustrations, par exemple, il y a l'ouvrage de Sonia Keravel, qui s'appelle Passeur de paysages, et qui analyse un certain nombre de projets emblématiques de grands paysagistes de la fin du XXe siècle. On a à l'intérieur de cet axe un deuxième ensemble de travaux qui porte sur l'histoire et la critique du paysagisme, et notamment sur des analyses de l'histoire du métier de paysagiste. On peut citer comme exemple les travaux de notre collègue Chiara Santini, particulièrement sur le 19e siècle. Là, on a un ouvrage qui est la publication d'un colloque qui portait sur le Grand Paris d'Alphand, auquel l'école a contribué avec d'autres partenaires. Et Chiara Santini, par exemple, vient de sortir un ouvrage précisément sur l'œuvre d'Alphand au sein de la ville de Paris, donc fin 19e siècle. Et puis, on a une autre collègue, Bernadette Blanchon, qui travaille plutôt, elle, sur la période du XXe siècle, les grands ensembles et notamment les cités-jardins, mais également toute l'œuvre de paysagistes du XXe siècle et particulièrement la question des femmes paysagistes. Et la semaine prochaine va avoir lieu un colloque auquel elle participe sur le rôle des femmes
dans les métiers de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage. Et puis il y a un troisième champ qui porte sur ce qu'on appelle l'épistémologie du visuel et qui s'intéresse à la manière dont l'image est mobilisée par les paysagistes. Et là, je vous ai mis la couverture d'un ouvrage issu d'une recherche qui s'appelle Photopaysage, et qui s'intéresse sur la manière dont la photographie est mobilisée par les paysagistes et la relation qui s'instaure entre le paysagiste concepteur et des artistes photographes. Voilà pour ce premier axe. Et je laisse Sophie nous présenter le deuxième axe. Deuxième axe, c'est action publique, territoire, paysage. On peut dire qu'il n'est pas fondamentalement différent, en ce sens que, comme toutes les recherches qui sont conduites au sein du laboratoire, donc la REP, se préoccupent, on va dire, et mettent au cœur de leurs préoccupations la conception de l'aménagement et de la gestion des espaces. La différence par rapport à l'axe précédent, on va dire, c'est qu'il s'intéresse au croisement de l'ensemble des processus qui participent à la fabrique des paysages. Donc cette fabrique des paysages, elle est entendue évidemment au sens de la création de projets par les concepteurs, mais également elle croise les aspects sociaux, notamment les pratiques sociales, les pratiques habitantes de l'espace, et les questions de politique publique et de l'action publique qui sont menées sur les territoires à différentes échelles, que ce soit les politiques publiques européennes, avec la Convention européenne du paysage, les politiques publiques aussi, qui se déclinent évidemment nationalement, en politique à proprement parler de paysage, mais aussi en politique d'agriculture, d'urbanisation, qui sont vraiment dans la préoccupation de nos travaux. Et enfin, politique agricole, politique de l'environnement. Et puis, les politiques locales aussi, les questions de projets de territoire, notamment, sont dans les préoccupations. Et il s'agit de croiser, finalement, ces pratiques sociales et ces politiques publiques avec des enjeux notamment écologiques, les questions, par exemple, de changement climatique, les questions aussi de montée, c'est pour ça aussi qu'on a un rattachement également avec la chaire paysage énergie sur les enjeux énergétiques par exemple, qui amènent également à la transformation des espaces. Alors l'organisation des travaux qui sont menés comme le montre la diapo, trois thématiques on va dire particulières, celle de l'agriculture urbaine, alors on a rajouté périurbaine puisqu'il s'agit en particulier de travailler sur l'agriculture aussi déjà là, qui aujourd'hui est en transformation du fait d'enjeux écologiques et également des enjeux d'alimentation. Ça a donné lieu à une publication en 2020, on a mis sur la diapositive des exemples de publications très, très récentes qui ont été conduites, donc, qui sont sorties même l'an dernier. Deuxième thématique plus générale, c'est la transformation de l'espace rural et périurbain, avec donc ces croisements d'enjeux de pratiques sociales, de politiques publiques, de représentation sociale aussi, comment est-ce qu'elles influent à la fois sur les politiques publiques et sur les pratiques sociales. Et enfin, la thématique de l'action collective, de la participation et du paysage, où là, le paysage est, pour les chercheurs qui s'inscrivent dans cet axe, plutôt un outil, un support de médiation, de concertation auprès du public. Et c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé, bien sûr, sur ces 10 dernières années et qui nous permet donc d'engager des travaux pour une meilleure compréhension et parfois aussi pour plus des propositions. Un certain nombre de programmes de recherche au sein de cet axe sont aussi de l'ordre de la recherche-action et d'une recherche en tout cas assez opérationnelle. Alors les illustrations donc, témoignent des productions des enseignants-chercheurs qui classiquement contribuent donc, à des directions d'ouvrages de numéros de revues, donc des revues en ligne comme Territoire en mouvement avec un numéro sur les paysages agri-urbains. Ces dynamiques de construction de territoire, d'institutionnalisation, de structuration en fait des relations ville-campagne à travers
de l'action publique ou à travers aussi des projets de territoire, une structuration aussi en association ou au sein des collectivités locales. Un autre numéro aussi qui a été dirigé donc par le collègue qui est à ma gauche, Yves Petit-Berghem et Sylvie Servin, c'est ça, de l'école de Blois, sur forêt et paysages. Et là aussi, hein, les évolutions de la gestion forestière, à la fois par des pratiques professionnelles nouvelles, par des connaissances aussi en écologie nouvelle, mais également la question du changement climatique qui touche beaucoup l'évolution des forêts aujourd'hui. Une troisième illustration, c'est celle d'un programme de recherche en cours qui s'intitule Ligne créative, qui est en partenariat avec la chaire donc Paysage et énergie sur les enjeux énergétiques des territoires et en particulier la question de l'utilisation des espaces sous les lignes ou en relation avec les lignes haute tension. Donc j'évoquais des productions de publications, des programmes de recherche. On aurait pu évoquer aussi des manifestations, hein, l'organisation de colloques. Donc aujourd'hui, surtout des webinaires, hein, il faut le reconnaître. Depuis un an, on s'est habitué à ces outils-là. Vous trouverez un certain nombre d'informations, je pense que c'est dans la slide suivante, sur le site de Topia. Alors là, je parle pour les deux axes. Hein, il s'agit d'une plateforme donc, qui met en ligne des travaux récents des chercheurs du LAREP, également l'actualité hein, des doctorants, des soutenances de thèse, l'actualité aussi de ces manifestations scientifiques qui sont auxquelles les enseignants-chercheurs contribuent. C'est un site aussi que je vous invite à aller consulter, donc c'est topia.fr, parce que vous y trouverez aussi des informations sur l'enseignement à la recherche. Donc ça, c'est l'autre aspect aussi de tous ces travaux, c'est qu'en fait, ce laboratoire, il est porté, vous l'avez compris, surtout par des enseignants-chercheurs. On est pratiquement tous enseignants-chercheurs, même les ingénieurs de recherche. Donc il y a une percolation, en fait, hein, de ces travaux au sein de nos enseignements, à travers l'initiation à la recherche dans le cursus de paysagiste concepteur, donc du diplôme d'état de paysagiste, à travers donc, le master recherche, qui est une année de master 2 orientée recherche en paysage, donc qu'on développera tout à l'heure, et bien entendu aussi à travers des projets de thèse hein, qui sont portés au sein du laboratoire. Et donc vous trouverez beaucoup de compléments d'informations sur ce site-là. Vous trouverez aussi des éléments bibliographiques en fait sur les théories du paysage ou sur des thématiques comme paysage et urbanisation, sur des chroniques aussi hein, par rapport à l'histoire du paysagisme. Donc voilà un petit peu. Alors donc j'évoquais cette percolation auprès des doctorants et donc on va pouvoir vous proposer la présentation de deux cas. Alors vous avez compris, hein, on a plus d'une dizaine de doctorants et donc nous avons des jeunes docteurs aussi. Voilà, donc je ne sais pas si c'est je vais introduire. Roberta, je vais introduire d'abord les parcours doctoraux. Donc on accueille au sein du laboratoire des doctorants. Alors qu'est-ce que c'est qu'un thèse de doctorat? C'est la production d'une recherche portée par un étudiant qui permet d'approfondir en principe donc, sur une durée de 3 ans, parfois ça dérape un peu, approfondir un sujet sous l'angle de la recherche. Et à l'école, on n'accueille pas que des paysagistes dans les parcours doctoraux, mais on a aussi cette vocation d'inciter un certain nombre de paysagistes, ce n'est pas la vocation de tout le monde évidemment, à s'engager dans ce travail de doctorat et à prendre une partie de leur temps pour creuser une question qui leur tient à cœur. Ce doctorat, aujourd'hui, il peut se faire dans deux institutions, deux écoles doctorales. Une qui est l'école doctorale historique à laquelle se rattachait le laboratoire, c'est l'école doctorale ABIES, donc agrosciences, biologie, environnement, santé, dans les intitulés, on voit à la base, c'est une école doctorale qui était plutôt une école doctorale du côté de l'ingénierie, mais très ouverte aux sciences sociales et qui accueille depuis maintenant de nombreuses années
des thèses autour de la question du paysage avec une mention de doctorat, ce qu'on appelle une spécialité qui s'intitule « Sciences du paysage ». Et puis, depuis peu, le laboratoire est également rattaché pour une partie de ses membres à une autre école doctorale qui vient d'être créée, qui est l'école doctorale Arts, Humanités, Sciences Sociales, rattachée, enfin portée par l'université Paris-Cergy, dans le jargon on l'appelle CY, Université Paris-Cergy, et qui, cette école doctorale, a créé une spécialité paysage avec donc la participation également de l'ENSP. Donc il y a ces deux filières qui permettent de poursuivre un doctorat au sein de l'école. Du côté de Cergy, il y a une spécialité qui est particulièrement mise en avant, c'est qu'on a créé avec d'autres partenaires, notamment l'école d'architecture de Versailles, l'école d'art de Cergy et l'Institut national du patrimoine, un parcours de doctorat un peu spécifique qui vise à accompagner des thèses de doctorat par le projet, mais on pourra peut-être y revenir après. Et donc on vous propose de présenter un certain nombre de thèses qui ont été soutenues récemment ou qui sont en cours. Et on va commencer par des thèses que Yves Petit-Berghem va nous présenter, parce que c'est lui qui les a dirigées ou qui les dirige. Oui, alors vous avez ici une thèse donc, qui a été soutenue en 2018 par donc, un paysagiste qui a été formé à l'école sur le site de Marseille, Brice Dacheux-Ozières. Donc il s'est intéressé en fait aux modalités d'écologisation de la pratique des paysagistes concepteurs français, en prenant comme exemple la ville de Marseille et des parcs urbains donc, qui avaient été créés durant ces 50 dernières années. Donc il a montré l'évolution donc, de ces pratiques écologiques des paysagistes, directement influencées par l'évolution des commandes publiques qui ont été marquées ces 30 dernières années par une évolution très importante sur l'écologie, qui a été accentuée notamment aussi par la loi biodiversité, reconquête de la nature et biodiversité en 2016. Donc l'écologie est devenue effectivement très très importante dans ces commandes publiques. Et Brice Dacheux-Ozières a en fait une triple analyse, une analyse dans les discours des paysagistes français qu'il a donc enquêté. Une analyse des gestionnaires, donc des services des espaces verts en France, et notamment donc la ville de Marseille, et puis également une analyse de terrain très approfondie sur les structures végétales de ces différents parcs. Il a montré en fait que l'écologisation des pratiques était relativement encore timide, contrairement à celle des gestionnaires, qui eux intègrent en fait ces nouvelles modalités en fait écologiques dans leur pratique de gestion depuis en fait l'avènement de la gestion différenciée des années 1990. Voilà, donc c'est une thèse qui va surtout être intéressante aussi pour les maîtrises d'ouvrage, en particulier quand on aura effectivement des projets d'éco-conception, des projets écologiques où effectivement on a besoin effectivement d'avoir des indications nouvelles sur la manière de concevoir et de gérer ces projets. La thèse de Joe Abiela, tu présentes. Oui, alors je poursuis. Donc on a en fait ici une thèse qui est en cours. Donc Joe Abiela, c'est un doctorant libanais. Donc pour cette thèse, comme pour la thèse d'ailleurs de Brice Dacheux-Ozières, il s'agit de l'école doctorale Abiès. Donc ces deux doctorants ont effectivement réalisé leur thèse chez Abiès. Avec ici une particularité, puisque nous avons une thèse en co-tutelle. Vous avez effectivement au LAREP plusieurs thèses qui peuvent être en partenariat avec des établissements étrangers. Ici, vous avez l'université libanaise et vous avez également le CNRS au Liban qui interviennent dans l'encadrement de cette thèse. Cette thèse porte en fait sur des outils qui ont été mis à disposition des paysagistes depuis un certain nombre d'années. Ici, on a pris l'outil Atlas de paysage, qui est utilisé en fait par les paysagistes, mais également par d'autres professionnels du paysage, par des urbanistes également, par des géographes. Donc il a montré le lien entre effectivement ces atlas de paysage et les représentations sociales qui permettent
de différencier en fait des particularités régionales lorsque vous êtes dans des territoires complexes. Hein, effectivement, on a la possibilité avec l'Atlas de raisonner en termes d'unité paysagère et donc de présenter les singularités en fait particulières d'un territoire par cet outil. Donc cette thèse est en quatrième année et donc elle va effectivement bientôt être présentée en principe en fin d'année 2021. Ça c'est ma thèse que je viens de soutenir en novembre. Et la thèse est co-dirigée entre l'NSEP et l'Université de Wageningen, donc toujours en co-direction internationale. Et le point de départ de la thèse, ça a été qu'en fait, la transition énergétique actuelle est en train de changer nos paysages, parce qu'il y a toujours une liaison très forte entre l'aménagement du territoire et la gestion de l'énergie tout le long de l'histoire. Et bien là, les moments que nous vivons ne font pas exception. Donc la question, c'était comment les projets de paysage, l'aménagement du territoire peut répondre et supporter la transition énergétique. Donc en essayant de développer des projets plus économes à l'énergie sur notre territoire et mettre en avant la production d'énergie renouvelable. La thèse, du coup, analyse des territoires en France et aux Pays-Bas et cette comparaison peut permettre de remettre en perspective la situation française et du coup essayer d'arriver à en tirer des outils, des méthodologies en termes de planification, par exemple comme les plans des paysages et aux autres outils qui peuvent du coup être remis en perspective par rapport à cette question des transitions et aider à le développement de futur. Après aussi, il y a été une analyse du discours et de la pratique des paysagistes et concepteurs en France et aux Pays-Bas. Pour pareil, essayer d'en tirer des pratiques un peu exemplaires qui pourraient aider les paysagistes dans le développement des projets pour l'avenir. Terzinière du chantier d'excavation au projet de paysage, et c'est un bien grand nom pour expliquer en fait les effets du métabolisme urbain, c'est-à-dire la production de gravats, de terres inertes qui sortent des chantiers de construction et d'excavation, et qui produisent énormément de terres dont on ne sait pas quoi faire. Et moi, en tant que paysagiste, je trouve ça en fait assez dommage qu'on ne puisse pas les réorienter vers des paysages, vers des manières de créer, de composer différemment. Et c'est un peu l'objet de la thèse par le projet justement que je fais en co-direction avec Patrick Moquet et Sylvie Salle, et aussi en encadrant professionnel, qui a la spécificité du doctorat par le projet. Donc c'est Philippe Hiller, qui s'est spécialisé dans les terres inertes et le paysage pour certaines études faites à l'école, notamment des APR. Donc c'était des mises en pratique en fait de conditions professionnelles avec les étudiants paysagistes. Donc voilà. Merci Marie-Laure. Alors il y a quelque chose que j'ai pas évoqué au moment de présenter le doctorat, c'est que dans l'école, on s'efforce de faire en sorte que toutes les thèses qui sont poursuivies au sein du laboratoire soient financées. Et donc on va chercher pour chaque projet de thèse les financements possibles. Si on reprend les exemples qu'on a eus, donc Brice Dachehausière avait bénéficié d'un financement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Joe Abiela d'un financement du CNRS Liban, Roberta d'un financement du ministère de l'Agriculture, puis de la Caisse des dépôts et consignations, et donc Marie-Laure bénéficie d'un financement de l'Agence nationale de la recherche dans le cadre de ce parcours de doctorat par le projet expérimental que nous avons monté avec nos partenaires au sein de l'Université de Cergy. Donc c'est un aspect qui est relativement important, évidemment, cet aspect de rémunération, parce que ça permet aux jeunes chercheurs qui s'engagent dans ce travail de thèse de pouvoir le faire de manière sereine en étant effectivement rémunérés pour réaliser leur recherche. Voilà pour le doctorat.
Au doctorat, il faut bénéficier d'une initiation au paysage qui peut prendre différentes formes. Au sein du diplôme d'état de paysagiste, il y a une initiation au paysage et le diplôme d'état de paysagiste donne le grade de master qui permet ensuite de prétendre à s'inscrire en thèse. Mais on accueille au sein de l'école un dispositif plus spécifiquement dédié à l'approfondissement de la question du projet de paysage et éventuellement à la préparation, enfin à l'engagement ultérieur dans une thèse qui n'est pas ni systématique ni évidemment obligatoire, qui est le Master 2 théorie et démarche du projet de paysage. Et je laisse Yves Petit-Berghem, qui est responsable du master, nous le présenter. Oui, alors ce master existe depuis longtemps, hein, il a été créé en 2006. Donc vous avez en fait trois établissements en relation avec ce diplôme. D'une part, l'Université Paris-Saclay, qui va délivrer le diplôme, qui va également centraliser les dossiers de candidature, qui sont en fait à déposer sur le site de cette université entre mi-février et la fin juin. Vous avez ensuite AgroParisTech, un établissement référent qui va procéder à l'inscription administrative des étudiants, suivre la scolarité jusqu'à la diplomation. Et puis, vous avez bien sûr l'École National Supérieur de Paysage, qui va en fait être l'établissement opérateur, qui va organiser la formation, procéder à l'inscription pédagogique et organiser les cours. Donc tout ce qui relève de la pédagogie, c'est effectivement l'École du Paysage qui l'assure. Alors, ce diplôme est intégré dans ce qu'on appelle une mention qui s'appelle Agrosciences, Environnement, Territoire, Paysage, Forêt. Donc, c'est une mention de l'Université Paris-Saclay. L'objectif de cette mention, c'est d'apporter un haut niveau de compétences, à la fois scientifiques et techniques, aux différentes échelles d'intervention dans les domaines de la gestion des espaces naturels et agricoles, ruraux ou urbains, et également dans la gestion environnementale des ressources. C'est de former également des étudiants qui vont en fait surtout s'inscrire dans les champs de l'écologie, des sociétés et également aussi qui vont souvent hybrider en fait dans leur démarche plusieurs domaines, en particulier des domaines qui relèvent de l'agronomie, de l'environnement, de la gestion des territoires et des problématiques qui sont à placer dans ce qu'on appelle les changements globaux. Alors, cette mention est l'une en fait des six mentions proposées par ce qu'on appelle la School Base. Donc là, on est dans l'univers de l'Université Paris-Saclay. Donc cette mention AETPF, en fait, a été récemment réaccréditée, hein, puisqu'en général, les diplômes de master sont réaccrédités en moyenne tous les 5 ans. Donc nous avons été réaccrédités par l'Université Paris-Saclay en 2020. Parmi les différents parcours donc qui relèvent de la mention AETPF, eh bien, le parcours TDPP en fait, est le seul véritablement qui s'intéresse au paysage et aux projets de paysage. Les autres parcours peuvent intégrer les paysages et les territoires, mais ce n'est pas leur priorité. Quels sont les objectifs généraux de ce parcours TDPP ? Eh bien, vous avez en fait une formation qui en fait porte sur le paysagisme dans un sens global et également sur le projet de paysage aux différentes échelles, aux différents milieux géographiques et thématiques. La formation va s'intéresser en fait à l'élargissement du champ d'action des professionnels du paysage en renouvelant des questions à la fois environnementale, géographique et sociale, et en collant en fait ces questions à l'actualité de la recherche. Le programme proposé est un programme pluridisciplinaire qui donc se base sur des démarches et des méthodes de travail, là aussi qui vont s'hybrider, en faisant constamment des ponts entre des champs qui relèvent plutôt de la conception et des champs qui sont développés par différentes disciplines universitaires. L'axe central, en fait, de ce diplôme,
c'est d'axer en fait notre discours, d'axer nos cours et nos pratiques sur la connaissance théorique et pratique des processus de projet de paysage. Le public visé. Alors, quels sont les étudiants qui peuvent effectivement candidater ? Eh bien, vous avez en fait plusieurs profils possibles. Vous avez effectivement soit des gens qui ont plutôt été formés dans des écoles de projet, hein, donc des concepteurs, parmi lesquels vous retrouvez des paysagistes, qui peuvent être français ou étrangers, des architectes, mais également des urbanistes. On peut également, bien évidemment, recruter parmi des ingénieurs, hein, qui sont souvent des ingénieurs agronomes, hein, qui viennent d'ailleurs souvent d'AgroParisTech, des ingénieurs écologues, ou des ingénieurs, mais ça c'est un peu plus rare, qui sont plutôt rattachés aux travaux publics ou au génie civil. Et puis on va recruter aussi, de manière assez systématique chaque année, au sein de différentes disciplines universitaires, en particulier les disciplines qui relèvent en fait des sciences humaines et sociales. Nous accueillons des étudiants soit en formation initiale, soit en formation continue. Vous avez une année en fait d'enseignement qui est assez en fait assez particulière, puisque vous avez en fait un semestre de cours assez intensif, donc jusqu'à la fin janvier et début février, et puis un semestre qui est destiné à la préparation d'un projet de recherche. Quels sont les différents débouchés ? Alors, comme cette formation est une formation à la recherche, par la recherche, on a les débouchés qui vont être liés également aux pratiques professionnelles et aux politiques publiques de l'aménagement. Et donc, parmi les débouchés, eh bien, vous avez les métiers du paysage qui sont effectivement hors maîtrise d'œuvre. Donc, on est ici dans de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, dans de l'expertise, dans du conseil. Vous avez également la possibilité, puisque c'est effectivement une formation à la recherche, eh bien, de poursuivre au-delà de cette année de master pour vous engager en fait dans une thèse de doctorat en suivant les parcours doctoraux qui ont été présentés précédemment, donc dans les deux écoles doctorales, et en association directe, bien évidemment, avec le LAREP. Et puis la troisième possibilité, eh bien, c'est de pouvoir aussi parfois préparer des concours et d'accéder également aux fonctions publiques territoriales, nationales et internationales, puisque vous avez effectivement, parmi ces métiers qui relèvent de ces pratiques professionnelles du paysage, eh bien, un certain nombre de collectivités peuvent recruter effectivement directement des fonctionnaires sur effectivement la gestion des paysages. Alors, vous avez ici une présentation des différentes unités d'enseignement. Alors, vous avez 8 unités d'enseignement dans ce parcours TDPP. Vous en avez en fait 6 au premier semestre et 2 au second. Donc, je ne vais pas détailler ici en détail toutes ces unités, en sachant que vous pouvez en fait retrouver les contenus pédagogiques de toutes ces unités en consultant directement le site Topia, hein, topia.fr, qui en fait est une plateforme qui permet en fait d'accéder à un certain nombre de ressources et aussi à l'emploi du temps et également au contenu précisément de chacun de ces modules avec effectivement des indications bibliographiques pour les thématiques qui sont investies. Vous avez ici une présentation de ces deux blocs. Donc un premier semestre, vous le voyez, assez chargé. Alors vous avez durant ce premier semestre donc ces 6 unités d'enseignement que j'ai évoqué précédemment. Alors, ces unités d'enseignement, je vais quand même vous en donner quelques indications. Vous en avez effectivement qui vont aborder l'histoire du paysagisme, l'histoire critique des projets de paysage, puisque dans un master, on attache de l'importance aussi aux démarches critiques. Il faut prendre aussi un peu de distance par rapport à la pratique du projet. Vous avez une autre UE qui est axée sur les outils mobilisés par les paysagistes ou par les professionnels de l'environnement ou par les urbanistes. Et parmi ces outils, vous en avez un qui fait l'objet ici d'une UE qui s'appelle photo-paysage. Donc la photographie utilisée donc par les,
paysagistes ou par les architectes dans leur pratique et au sein d'ateliers. Vous avez également une UE qui porte sur les démarches patrimoniales et de gestion des paysages, avec la particularité d'avoir effectivement des cours qui s'adossent en fait à un stage d'une semaine qui démarre en début d'année et qui a lieu à Oléron. Vous avez une autre UE en fait, qui porte sur des approches croisées, interdisciplinaires, et qui aborde les milieux géographiques et les paysages d'interface, avec un regard là qui est plus environnemental hein, sur les paysages. Vous avez une UE qui porte sur les démarches paysagistes et les pratiques, les politiques publiques du paysage en Europe, qui est très axée sur les projets agricoles, agroécologiques ou agro-urbains, qui permet aussi, là aussi, de réaliser un stage avec les étudiants qui vont être en situation de terrain pendant une semaine, donc à Villarceau, hein, dans le Vexin français. Vous avez également une UE qui porte sur les cultures professionnelles et les méthodologies de la recherche. Donc là, on a une UE en fait, qui fait en fait office de, voilà, d'échange, de débat, où vous avez en fait des séminaires, où vous avez des colloques, où vous avez en fait des rendez-vous qui sont souvent mutualisés d'ailleurs avec d'autres écoles qui proposent des parcours de recherche, en particulier l'école d'architecture avec laquelle nous collaborons beaucoup, l'école d'architecture de Versailles. Et puis le semestre 2, alors le semestre 2, il est beaucoup plus simple en fait, hein, puisque vous avez la méthodologie de la recherche qui est en fait intégrée à la fin du premier semestre, hein, qui consiste à élaborer une thématique de recherche et à présenter un projet de recherche. Et puis vous avez surtout le cœur du semestre qui est réservé à un projet de recherche et qui va se terminer par la présentation d'un mémoire de recherche qui sera présenté en première session ou en seconde session, donc en juillet ou en octobre. Sur ce projet de recherche, alors il est très important, hein, c'est 28 ECTS parmi les 60 ECTS du diplôme, donc c'est très très important. Ce projet est placé sous la responsabilité d'un enseignant-chercheur. Vous avez parfois également en appui un tuteur de stage, en sachant que certains étudiants peuvent développer leur thématique de recherche en lien direct avec un stage, qui peut lui-même être en relation avec un programme de recherche, puisque effectivement, nous, enseignants-chercheurs, la particularité d'être moteur, ou en tout cas d'être associé à des programmes de recherche qui sont parfois internationaux, européens ou nationaux, hein, donc des ANR, le POPSU, qui implique plusieurs enseignants de l'école, et le projet ITECOP, qui également voilà, intègre des thématiques en rapport direct avec l'écologie, le paysage et les territoires. Alors, ce mémoire de recherche doit respecter bien évidemment les règles de l'écriture scientifique, du langage scientifique. Nous insistons bien évidemment les étudiants à inscrire leur discours à partir d'un questionnement scientifique et d'acquérir surtout un sens critique dans les champs théoriques et professionnels du paysage. L'emploi du temps de ce master est relativement simple également. Vous avez donc des cours qui se font de manière assez régulière et intensive donc sur le site de l'ENSP au premier semestre, en sachant que bien évidemment cette année on s'est adapté et malheureusement nous n'avons pas pu faire ou très peu de présentiel. Nous avons au moins gardé un minimum de terrain en faisant effectivement le stage à Oléron et à Villarceau, mais effectivement beaucoup de cours ont été réalisés à distance. Et puis vous avez au second semestre donc effectivement ce mémoire de recherche avec une soutenance publique en fin d'année. Lorsque vous avez un stage, eh bien, vous avez bien évidemment une convention de stage avec des stages qui peuvent être d'une durée variable, avec un minimum en général de 2 mois, pouvant aller jusqu'à effectivement une durée de 6 mois. L'équipe pédagogique du master, alors nous accordons en fait une importance à l'hybridation là aussi, en associant à la fois des enseignants-chercheurs ou des chercheurs intégrés au LAREP,
mais également des professionnels, qui peuvent être d'ailleurs parfois d'anciens étudiants de l'école et qui aujourd'hui peuvent travailler dans des agences, par exemple de paysagistes, dans des bureaux d'études, dans des collectivités. Hein. Donc nous avons à cœur effectivement de préserver ce lien fort avec les professionnels du paysage. Vous avez ici quelques exemples de mémoires de recherche pour vous montrer en fait l'éventail des sujets qui peuvent être en fait évoqués par les étudiants, avec souvent une entrée sur les territoires, ce qui permet effectivement ensuite d'évoquer les projets de paysage de manière plus systématique. Hein. Et puis vous avez également la volonté de travailler sur des territoires extrêmement variés, donc territoires qui peuvent être ruraux, urbains, des approches qui peuvent être aussi originales, qui peuvent porter sur des territoires parfois très lointains, puisque nous avons parmi nos étudiants des étudiants étrangers chaque année, avec parfois la possibilité pour eux de retourner dans leur pays pour justement faire de la recherche. Voilà, donc c'est effectivement ce qu'on pouvait dire sur ce parcours de master. Donc c'est une formation à la recherche qui peut effectivement ensuite permettre de poursuivre en thèse pour ceux qui le souhaitent, qui sont surtout passionnés par la recherche. Alors on a Eva Pouplein qui est une des étudiantes du master. Je ne sais pas si Eva, tu veux réagir tout de suite par rapport au programme. Oui, pourquoi pas. Alors du coup, effectivement, le programme est déjà développé sur le site avec un déroulé un peu des principaux sujets des UE. Donc moi, ce dont je vais vous parler, c'est plutôt du fonctionnement du groupe. Alors déjà, c'est un groupe classe qui est très restreint puisque c'est environ 15 élèves. En tout cas, on était 14 donc cette année. Ce qui est très intéressant parce que ça permet vraiment de stimuler les échanges qui sont primordiaux puisque on provient tous de disciplines très très différentes. Par exemple, cette année, on avait des architectes, des agronomes, des ingénieurs horticoles. Moi, initialement, je viens de Sciences Po. Donc, on a vraiment des profils qui sont extrêmement divers. Et avoir un petit groupe permet vraiment de faciliter les échanges et d'apprendre énormément les uns des autres puisqu'on a des façons de percevoir les choses, des méthodologies qui diffèrent parfois du tout au tout. Et donc, c'est extrêmement enrichissant de pouvoir échanger avec des personnes aussi diverses. Et donc, diverses dans les disciplines, diverses en termes d'origine également, puisqu'on a des personnes qui pouvaient venir du Liban, de Turquie, du Tchad, d'Algérie. On a vraiment donc des origines très diverses qui permettent également d'enrichir la réflexion, puisqu'on travaille pas mal sur le territoire français. Et donc, ça permet aussi des mises en perspective qui sont particulièrement intéressantes. On travaille également avec des profils divers de par la structure du parcours, dans le sens où moi, par exemple, je suis en double master avec Sciences Po, donc je sors tout juste des études. Mais on a pu avoir également en cours des personnes, des camarades de classe qui ont déjà, par exemple, des expériences professionnelles dans divers domaines, que ce soit professeur en histoire de l'art ou des personnes qui ont déjà exercé le métier d'architecte. Donc du coup, c'est vraiment un cadre de travail qui est particulièrement enrichissant, surtout qu'une grande partie des rendus ont dans le but de nous faire travailler ensemble et notamment en complémentarité. C'est-à-dire que des personnes qui seront plus dans un fonctionnement de conception et de projet pourront travailler avec des ingénieurs qui ont des approches différentes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la pluridisciplinarité est non seulement dans la structure du master, de par les enseignements proposés, mais également de par les étudiants même de la classe. Et donc, c'est un parcours qui est particulièrement enrichissant, même quand on ne souhaite pas forcément faire de la recherche, même si c'est initialement donc la visée de ce parcours-là. Mais c'est vrai que le parcours... Il peut être suivi par des personnes qui n'ont pas du tout l'intention de continuer dans la recherche, mais qui veulent se donner une culture et creuser un questionnement sur le paysage. Je réfléchissais, parce qu'on ne l'a pas fait exprès, qu'on a aussi Roberta, qui avant de faire sa thèse a fait le master TDPP. Donc on fait deux étudiantes, une actuelle et une ancienne du master TDPP. Alors on a une question qui nous est posée, qui demande si on peut avoir plus d'informations sur les séminaires et workshops organisé lors du master TDPP.
Alors, je commence sur les rondes en ordre chronologique et Sophie enchaînera sur Villarceau. Parler de l'agro-paysage. Voilà. Effectivement, dans le cadre de l'UE dont j'ai la responsabilité, qui est démarche patrimoniale et gestion des paysages, on a un séjour d'une semaine qui est placé en tout début du parcours se situe dans l'île d'Oléron. Pour des raisons de bonne connaissance du terrain. Voilà, c'est un terrain que je connais parfaitement, comme les élèves peuvent en attester. Ils subissent du coup mes monologues durant toute une semaine. C'est un séjour. Alors pour le coup, on n'est pas vraiment en mode workshop. C'est-à-dire que l'idée n'est pas vraiment de faire travailler les élèves ou de faire produire par les élèves sur place un certain nombre de réflexions. C'est vraiment un voyage de découverte et d'illustration d'un certain nombre de problématiques et surtout de dilemmes. Moi, j'aime bien creuser les dilemmes. Qui sont liés à la gestion des paysages et notamment à des formes de gestion conservatoire ou qui se veulent conservatoire de certains paysages. Et c'est un moment de questionnement sur comment est-ce qu'on gère un patrimoine qui, par définition, est dynamique en matière de paysage, dynamique sous l'effet des dynamiques de végétation, par exemple, mais aussi sous l'effet des pratiques sociales qui sont en évolution permanente et qui obligent à repenser les fonctions et l'usage des sites. Et donc, c'est une semaine assez intensive, quand même, qui est tout le temps en extérieur, sur le terrain, qui, comme elle est au tout début de l'année universitaire, joue aussi un peu le rôle de séjour d'intégration, c'est-à-dire où le groupe, je crois, apprend à se connaître et puis tisse des relations qui, je pense, contribuent beaucoup à la dynamique ultérieure. Je ne sais pas si... Je confirme. Sans ça, les cours en visio, je pense, auraient été beaucoup plus compliqués. Alors, c'est vrai qu'on a eu la chance cette année de pouvoir faire les deux ateliers. Enfin, Sophie va nous parler de Villarceau après. De le faire effectivement. Bon, on est passé à travers les mailles de la crise sanitaire. Donc, on a pu réaliser ces moments. Sophie, sur un gros paysage. C'est un workshop, alors séminaire workshop qui s'intitule Agro-paysage, donc qui se déroule à Villarceau, dans le Vexin, avec l'aide aussi d'une fondation pour le progrès de l'homme, hein, la fondation Charles-Léopold Meyer, qui permet d'être pendant une semaine hébergé dans de très bonnes conditions et avec des conditions de travail aussi, des salles qui nous permettent justement de faire justement de l'atelier de projet avec les élèves. L'originalité de ce workshop, c'est d'être donc avec une école d'ingénieurs agronomes de Nancy. Et donc on travaille avec des élèves de Master 2 aussi, enfin niveau Master 2, mais qui ont vraiment une autre culture du projet, puisque les ingénieurs, évidemment, font aussi du projet. Mais on est quand même aussi avec des écarts et on mesure les élèves comme ça, peuvent aussi mieux se connaître en réalité dans leur propre discipline également, avec donc les disciplines de la conception. Parce que pour cet atelier agro-paysage, donc je disais des ingénieurs agronomes qui sont plutôt en spécialité sur le développement des territoires et les approches territoriales de l'agronomie, donc qui forment un tiers, hein, donc qui sont 15-20 selon les années. Donc les élèves du master TDPP dont on vient de parler avec leur richesse pluridisciplinaire et leur richesse de parcours, effectivement, Eva, tu as eu raison d'insister sur ce côté-là, parce qu'en fait, c'est très riche d'avoir des gens plus seniors, on va dire, voilà, qui ont eu une expérience professionnelle et puis qui ont envie de consacrer une année à réfléchir et à se poser un petit peu par rapport à ce sujet bien particulier du paysage. Et puis, donc, on a des élèves paysagistes également qui sont dans le cursus du diplôme d'état de paysagiste, je pense dont on vous parlera beaucoup plus cet après-midi dans cette JPO virtuelle, donc ce DEP, hein, et qui sont en troisième année, donc c'est aussi un équivalent Master 2, mais qui, eux, donc, sont finalement en fin de formation sur la conception de projets de paysage, et donc eux sont pleinement avec leurs outils, avec... Leur fonctionnement aussi, hein, mental, de conception du projet. Voilà. Et donc ce workshop dure une semaine, c'est très intensif, puisqu'il y a deux journées
de visites de terrain et de visites aussi de sites en fait, qui font référence par rapport à une thématique. Et cette thématique, elle change tous les ans. Elle est toujours évidemment en rapport avec la question de l'agriculture et du paysage. Mais ça peut être sur, par exemple, les enjeux énergétiques. On a aussi pu travailler sur les questions d'enjeux autour de l'eau potable, par exemple, et de la protection des sites de production d'eau potable. On a pu travailler aussi sur la restauration écologique des rivières. Cette année, nous avons travaillé sur les terres et les carrières, et que ce soit voilà, réaménagement de carrières, mais aussi conflits autour de l'installation de ces carrières. Et derrière aussi tous les enjeux, hein, puisque c'est pas seulement la problématique de faire des trous, je veux dire, mais c'est aussi de réfléchir à d'autres façons. Pourquoi a-t-on besoin de ces matériaux? Enfin voilà, on essaye d'être en relation. Alors c'est l'intérêt aussi de la relation à la recherche, c'est qu'on peut vraiment on met l'accent aussi sur la problématique que ces sujets-là posent. Et on sent aussi l'actualité de la recherche, en fait, dans ces cas-là, parce que c'est des moments qui sont assez parfois tendus quand il y a des gens qui viennent militer pour ou contre l'ouverture d'une carrière. Et du coup, on sent que le positionnement que doivent prendre les étudiants est un travail aussi de médiation et de recherche. Et c'est hyper intéressant d'être à la fois au cœur de l'actualité et en même temps de prendre ce recul critique et cette distance. Oui, tout à fait. Ouais, Et c'est l'occasion aussi de rencontrer, tu évoquais la rencontre des acteurs locaux, hein, ces deux, trois premières journées. C'est intéressant du coup de voir ces politiques publiques qu'on apprend en cours, ces acteurs, ces systèmes d'acteurs, qu'est-ce qu'il en est dans le fonctionnement concret de la vie des territoires. Et puis voilà, et donc il y a deux autres journées qui sont consacrées donc, à du travail en équipe, où ils sont en binôme, où ils apprennent aussi parfois les fonctionnements des paysagistes qui se couchent tard et qui travaillent parfois en mode charrette. Et le dernier jour donc, est consacré à une présentation devant les personnes rencontrées, devant des acteurs aussi invités, des acteurs locaux concernés par la thématique du séminaire, qui viennent donc écouter les projets. On demande aux élèves d'imaginer dans 10 ans, dans 20 ans, quelles alternatives sont possibles aux dynamiques en cours, comment est-ce qu'on peut infléchir, repenser les espaces par rapport à aux enjeux écologiques en général. Voilà. On a une question sur les cours et recherches. Se font-ils sur le site de l'école à Versailles en temps normal? Parce qu'effectivement, cette année, il y a... les cours se sont faits en visio pour l'immense majorité du fait de la crise sanitaire. Alors, avant de donner quelques précisions, peut-être dans la continuité de ce qui a été dit précédemment, sur les séminaires et les workshops, on a aussi, en fait... la possibilité de faire ces formules de séminaires ou de workshops sur un temps très réduit, durant une journée, par exemple. Hein, on a effectivement la possibilité d'avoir des journées débat, des séminaires, qui sont souvent organisés en fait, avec des partenaires de travail, donc souvent l'école d'architecture à Versailles, mais également les enseignants de Paris 1, à l'université de Paris-Sorbonne, et puis également avec le Muséum national d'histoire naturelle. Donc en fait, ce sont des journées où on va débattre sur des questions d'actualité sur le paysage et autour du projet de paysage. En particulier, vous avez une journée traditionnelle où on porte des regards croisés sur le paysage et sur le projet, donc organisé chaque année, ce qui permet effectivement de confronter à la fois des disciplines, des approches, des méthodes de travail sur le paysage en mêlant des disciplines, du projet et d'autres disciplines qui gravitent autour du projet. Alors, pour répondre effectivement à la question des cours localisés ou pas à Versailles, eh bien, effectivement, cette année a été très particulière. Donc, nous avons fait quelques cours en présentiel. Nous avons une salle attribuée pour le master TDPP à l'école du paysage. Donc, nous accueillons en général entre 10 et 15 étudiants par an. Donc, c'est effectivement un petit effectif. Nous avons aussi des salles plus grandes à l'école d'architecture, notamment pour accueillir un public un peu plus important, puisque nous avons en fait une mutualisation avec les architectes. Donc là, on est effectivement sur
une configuration avec des cours à 20 ou 30 personnes, également avec des enseignants de Paris 1, où là les cours peuvent occasionnellement aussi se dérouler sur le site de l'Université de Paris 1, à l'UFR de géographie. Vous avez parfois aussi des cours qui ont lieu à AgroParisTech, mais c'est relativement rare. Donc la plupart des cours, effectivement, si effectivement l'année n'est pas perturbée comme cette année par cette pandémie, eh bien, la plupart des cours se déroulent sur le site de Versailles. On profite aussi du site de Versailles avec le potager du roi qui, chaque année, en fait, est présenté aux étudiants. On a une journée d'ailleurs qui est réservée au potager en début d'année, ce qui permet également aux étudiants de découvrir cet environnement spectaculaire qu'est le potager du roi. Hein, donc voilà, mais c'est vrai que cette année a été très, très difficile et nous avons essayé de maintenir une interaction avec les étudiants, mais ça n'a pas été forcément simple. Donc les enseignements sont bien principalement sur Versailles et sinon dans les environs sur Paris. Donc la résidence des étudiants est attendue en Ile-de-France. Et pour les deux moments dont on parlait, là, c'est l'école qui, évidemment, organise l'hébergement, que ce soit pour la semaine sur Oléron ou la semaine dans le Vexin à la bergerie de Villarceau, grâce au soutien de la Fondation pour le Progrès de l'Homme. Je l'aurais dit. Alors, je ne sais pas s'il y a une autre question qui va s'afficher. Moi, j'ai un élément sur lequel je voudrais bien revenir, qui est celui, parce que c'est Eva qui a évoqué le fait que dans le master, on a du coup des personnes qui sont en fin de formation initiale ou dans la poursuite de la formation initiale, et d'autres qui ont un peu plus de maturité ou d'expérience, de maturité, en tout cas d'expérience éventuellement professionnelle. Et je voulais juste dire que pour la question de l'entrée en doctorat, on est dans des configurations qui sont elles aussi très variées. Finalement, on en a un certain nombre qu'on va pouvoir citer tout de suite, mais on a peu d'étudiants qui rentrent en doctorat immédiatement après soit le master TDPP, mais on en a quelques cas dont Roberta assise à côté de moi, soit immédiatement après leur formation au diplôme d'état de paysagiste, mais on avait le cas de Brice d'Achéosière que Yves a présenté tout à l'heure, ou encore le cas de Joris Mazafon dont je parlerai bien volontiers en deux minutes après. Donc on a des exceptions. Mais le fait même qu'on cherche à engager des thèses de doctorat qui soient financées suppose tout un travail préalable de montage du projet de thèse et de recherche des financements qui ne se fait pas toujours, enfin qui ne peut pas toujours se faire au moment même de la fin des études. Il se trouve que ça a pu fonctionner pour les cas que je viens de citer. Dans d'autres cas, on a des étudiants qui disent qu'ils sont intéressés, mais on travaille avec eux à monter leur projet de thèse et à chercher des financements. Et souvent, ça implique une ou deux années de battement dans lesquelles il faut qu'ils aient d'autres activités avant de s'engager dans la thèse. Et puis, on a aussi, au sein du laboratoire, vocation à accueillir un parcours qui me paraît moi aussi très riche et très intéressant, qui est celui de professionnels, pour l'essentiel des paysagistes, qui se lancent dans l'activité professionnelle pendant quelques années et qui, au bout de 3, 4, 5, 6 ans, se disent « Tiens, j'ai été confronté à tel problème, à telle question qui vraiment me tient à cœur et j'aimerais faire une pause et trouver le moyen de creuser cette question-là. » Et donc, on a un certain nombre de profils. Je pense à Simon Lacour pour une thèse dirigée par Yves Petit-Berghem, ou encore à Ken Novellas, qui est un ancien étudiant de l'école sur le site de Marseille, pour une thèse que là je dirige. Donc là, on a des profils de jeunes professionnels qui se sont lancés dans leur activité et qui, à un moment donné, se disent « Tiens, j'aimerais approfondir telle ou telle dimension et me donner un bagage supplémentaire, c'est-à-dire, en quelque sorte, étoffer un peu ma réflexion sur certaines questions auxquelles je suis confronté dans le travail de thèse. » Et donc, ces parcours-là sont aussi ouverts. Voilà, je les signale. Est-ce qu'il y a des points que les uns ou les autres voudraient rajouter? Oui, pour compléter ce que tu, oui. ce que
tu viens de dire. Je pense qu'on a aussi le cas parfois de gens qui veulent s'engager dans des projets de reconversion professionnelle. Et ça, ça nous est arrivé aussi d'accueillir parfois des étudiants dans notre master très âgés qui, en fait, n'avaient pas travaillé sur le paysage avant, mais en fait étaient très motivés pour travailler sur le paysage et le projet. Et donc, nous avons effectivement aussi parfois des cas assez particuliers où nous avons effectivement des professionnels ou des gens qui ont quitté un peu le milieu professionnel et qui reviennent en fait chez nous pour étudier le paysage. Parfois aussi, effectivement, des professionnels qui ont travaillé sur le paysage, mais qui veulent prendre du recul, en fait, sur leur pratique. Donc ça peut effectivement donner lieu à des masters, mais aussi parfois à des projets de thèse. Les projets de thèse, en fait, sont co-construits. Effectivement, on est dans un laboratoire où nous avons une relation très proche, finalement, avec nos doctorants ou nos futurs doctorants, et nous co-construisons, en fait, nos sujets de thèse. Contrairement à d'autres laboratoires où les sujets sont parfois presque imposés aux doctorants, je pense notamment aux disciplines des sciences exactes, des sciences dures, où là, on va poser un sujet aux doctorants avec une ligne de conduite à respecter durant 3 années. Ce n'est pas le cas, effectivement, de notre laboratoire. Alors, puisque Roberta confirme, tu veux développer un peu ton exemple? Oui, dans l'essence, moi, effectivement, j'ai fait le master TDPP ici, en étant déjà architecte diplômée, en ayant déjà travaillé en agence. Et effectivement, c'était un peu déjà reconversion professionnelle, dans l'essence qu'en ayant travaillé en agence, je me suis dit que je voulais essayer quelque chose de nouveau, j'avais envie de faire une thèse. Le master TDPP, ça m'a permis de rentrer plutôt dans les sujets de paysage, que ça m'intéressait bien, assez complémentaire de celui d'architecte. Et du coup, je suis arrivée avec une idée des thématiques à développer. Effectivement, Sophie Bonin, Patrick Motquet, Sven Stremke au Pays-Bas, ils m'ont accompagnée dans le développement de ces sujets, du coup, en discutant, en m'aidant avec des lectures. Donc, c'était sans se rien imposer. Donc, plutôt en aidant à chercher les bons financements, parce que souvent, c'est ça aussi, selon les différentes thématiques des thèses et des lieux qu'on veut analyser, on a différentes possibilités de financement. Donc, effectivement, c'était une construction très, très productive au final. Moi, j'aurais bien aimé rebondir sur... Parle plus fort, Marie-Laure, pour qu'on t'entende. Ouais. Moi, j'aurais bien aimé rebondir sur l'idée de l'écart un petit peu qu'on fait quand on sort en tant que paysagiste concepteur de cette école. Et que parfois, dans le milieu professionnel, en fait, il y a une question qui se construit pendant quelques années, qui mûrit en nous, et qu'on a envie d'explorer après dans la recherche. Enfin, ça m'est arrivé aussi. Et puis en plus, au sein de l'école, j'ai pu participer à une exposition sur les terres, et qui m'a après fait sentir l'acuité de la question dans la période contemporaine, en fait. Donc je pense que la transition entre l'école où on apprend la pratique professionnelle du paysage et la recherche, c'est quelque chose de très très complémentaire et qui fait peut-être avancer aussi la question du paysage de manière plus globale. Bien, merci. Je vais peut-être vous proposer de conclure. J'espère qu'on vous a donné un panorama relativement précis et engageant de ce qui se passe en matière de recherche au sein de l'École nationale supérieure de paysage, et puis des formations que vous pouvez trouver en lien avec la recherche. J'espère qu'on aura pu susciter des vocations d'étudiants futurs, que ce soit pour le master théorie et démarche du projet de paysage, que ce soit peut-être d'ailleurs aussi pour des étudiants qui envisagent de s'engager dans le diplôme d'état de paysagiste et qui pourraient se dire qu'à terme, ils pourraient aussi continuer à approfondir ces questions à travers la recherche. Ou encore des vocations de futurs doctorants. Donc, les personnes de l'école, nous qui sommes ici autour de la table, mais aussi tous les collègues qui, évidemment, tout le monde ne pouvait pas participer, notamment la quarantaine de personnes, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui gravitent au sein du laboratoire de recherche en projet de paysage. On reste à la disposition pour répondre aux questions. Et comme on vient de le souligner également, à accompagner les projets des uns et des autres. Merci bien de votre écoute et bonne suite de journée. Portes ouvertes virtuelles avec le NSP. Voilà.